vous regardez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous interroger à mes côtés, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour. Et dans cette émission séquence droite suite, interactive, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL nous rejoindra à deux reprises pour relayer les commentaires, les interrogations des auditeurs et des téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent pour interpeller Dominique de Villepin. Rien de plus simple, Facebook ou Twitter, hashtag Le Grand Jury. Alors Dominique de Villepin, depuis votre retrait de la vie politique, vous avez été avocat avant de raccrocher la robe pour prendre la tête d'une société de conseil internationale au service d'entreprises étrangères et peut-être d'État, vous nous le direz. Comme ancien chef de la diplomatie française, votre regard nous intéresse tout particulièrement, puisque les sujets sont nombreux, ceux qui agitent le monde. Au premier rang, la Russie, avec l'élection quasi assurée de Vladimir Poutine aujourd'hui, sur fond de retour d'une guerre froide. Mais notre planète est aussi bousculée par un président américain pour le moins inconstant, un président chinois autoproclamé président à vie, et bien sûr, la tragique situation de la Syrie après 7 ans de guerre. Mais de tout cela, nous parlerons donc dans la deuxième partie de cette émission. Nous voudrions d'abord vous entendre sur l'actualité française. Elle est aussi très riche, à la lumière, bien sûr, de vos anciennes fonctions de chef du gouvernement entre 2005 et 2007. Mais avant toute chose, Dominique de Villepin, vous avez été donc le Premier ministre de Jacques Chirac. Avez-vous des nouvelles de l'ancien président de la République? L'avez-vous vu récemment? J'ai la chance de le voir de temps en temps. Il est dans une forme aussi bonne que possible. Et c'est un homme qui, vous le savez, a beaucoup compté pour moi et qui me manque. Donc chaque fois que je peux le faire, j'ai du plaisir à aller le saluer. Alors on va aller directement à l'actualité française, Alexis Brézé. Avec le grand sujet du moment et puis des moments qui vont venir, c'est la réforme de la SNCF. Donc le gouvernement a mis sur les rails, si j'ose dire, cette réforme, suppression du statut des cheminots pour les nouveaux entrants. L'intersyndicale a déposé un mouvement de grève qui doit s'étaler sur 3 mois, à raison de 2 jours tous les 5 jours. Vous, comment vous sentez cette réforme? Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose? C'est une réforme dont on parle depuis longtemps. Donc, à un moment donné, c'est évidemment un défi majeur pour cette entreprise que d'être capable de se moderniser. C'est la question du statut qui doit s'ouvrir à la concurrence et qui doit régler un problème majeur qui est celui de sa dette, près de 50 milliards d'euros. Mais si vous permettez, partons d'un peu plus loin. Nous sommes dans un pays qui vit un grand changement en matière de réforme depuis maintenant quelques mois. Donc pour moi, la question centrale, c'est est-ce que ces réformes sont légitimes? Comment sont-elles conduites? Mais sur la question de la SNCF, est-ce que le gouvernement s'y prend bien ou est-ce qu'il est en train de braquer des cheminots qui pourraient à un moment donné avoir l'assentiment de l'opinion publique comme en 1995? Ma conviction, c'est que le gouvernement doit choisir ses combats. De très nombreux chantiers ont été ouverts. Il y a une volonté d'aller plus loin que nous n'avons jamais été. Plus loin que vous-même? Vous étiez bien sûr, il y a aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Nous sommes avec un nouveau et jeune président qui a été élu pour faire des réformes et engager la transformation du pays. Il est donc naturel et légitime qu'il déroule, en quelque sorte, les engagements qu'il a pris. Il vous bluffe, comme dirait Nicolas Sarkozy, de Emmanuel Macron? Aujourd'hui, une fois de plus, il fait ce qu'il a dit. La question, c'est le rythme des réformes, la modalité des réformes, l'esprit des réformes. Je crois qu'il y a déjà un point qui, pour moi, est l'essentiel. Dans un pays qui a souvent eu le sentiment du blocage, souvent eu le sentiment d'avoir du mal à se transformer. Vous l'avez expérimenté vous-même sur le CPE? Absolument. En 2005. Souvent du mal à se transformer et à changer. Il a engagé une transformation des esprits. Et je crois que c'est l'essentiel. À partir de là, il y a une méthode qui consiste à mettre tous les dossiers de réforme sur la table et en quelque sorte provoquer une sorte d'effet de sidération en se disant passe ce qui doit passer et s'il y a des difficultés, eh bien, on négociera avec les syndicats pour faire en sorte que les choses se déroulent au mieux. C'est la bonne méthode? Mon inquiétude aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un temps nouveau, nous allons bientôt rentrer dans la deuxième année du quinquennat et qu'il faut faire attention à ce que les oppositions ne se cristallisent pas. Et c'est bien ce qui se joue aujourd'hui. Nous avons un président qui a
de ce point de vue-là, une intuition très forte sur la façon de gouverner notre pays. Le premier, c'est un président qui a voulu marquer le retour d'une certaine autorité. Et dans le fond, il affirme le pouvoir d'État. Côté Jupiter. Dans une tradition monarchique et républicaine, c'est Jupiter. Puis en même temps, il est le président de la modernité. C'est le président start-upper. Et ce président-là, au-delà de l'homme fort, il veut montrer la capacité à remettre en marche, à redonner confiance dans le pays. Mais vous le dites ça. Le mot-clé, c'est confiance. Oui. Mais je pense qu'il y a une troisième dimension, une troisième image. Et aujourd'hui, il a rendez-vous avec cette indispensable métamorphose. On ne peut pas se contenter de l'autorité et de la modernité. Mm-hmm. Et c'est ce qui se joue à la SNCF, c'est ce qui se joue surtout avec les retraités. C'est quoi la troisième dimension ? C'est l'humanité. Il doit montrer sa capacité d'empathie, de compréhension, et c'est là où il doit choisir ses combats. Et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Je pense que c'est le défi qu'il a. C'est sans doute pas suffisamment. Non, mais ça veut dire que c'est une carence. Dominique, soyons clairs. Est-ce que c'est une carence pour l'instant ? Est-ce qu'il n'écoute pas suffisamment ? C'est la qualité qu'il doit montrer. Pourquoi ? Faire des réformes, dormir 4 heures par nuit, travailler avec une toute petite équipe, c'est possible pendant quelques mois. Il y a un moment, ça devient plus difficile. Et le risque, c'est qu'on devienne isolé, solitaire, arrogant et coupé d'un certain nombre de réalités. Est-ce que vous le sentez déjà chez lui, cette forme d'arrogance, Dominique de Villepin ? Est-ce que vous sentez... Je ne suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. Si vous dites qu'il y a un risque, c'est que vous le sentez un peu. Sinon, vous ne parleriez pas de ce risque. Je suis là pour exprimer une expérience. Mmh. Moi, je n'ai pas été président de la République, j'ai été à Matignon. Et je peux vous dire, quand vous menez tambour battant, avec un rythme d'enfer, avec très peu de gens, parce que, comme toujours, gouverner, c'est souvent avec très peu de gens. À un moment donné, il faut se poser... Il vous fait penser... Et se poser la question, comment peut-on faire mieux ? Il vous, juste, il vous fait penser à ce que Allez, vous si étiez, Macron. Parce que, après tout, comme vous, il n'était pas élu, comme vous, il n'avait pas une admiration incommensurable pour les élus. Enfin, il y a un parallèle, non ? Non, je crois qu'une fois de plus, il est président de la République, dans une situation sans précédent dans l'histoire de France. Il est arrivé en force sur la scène nationale, avec un parti qui n'existait pas quelques mois auparavant. Donc, une fois de plus, c'est sans précédent. Et c'est bien là où il faut innover. Et ma conviction, je l'ai toujours dit, c'est qu'un président, il doit faire plusieurs métamorphoses. Le jour de son élection, parce qu'il faut passer de candidat à président, et au cours de sa mandature, il doit en permanence travailler les points qui peuvent être un problème. Juste une question, Dominique Villepin. Il a choisi de redonner de l'autorité à la fonction. Malheureusement, le risque, c'est que plus les décisions se multiplient, plus les réformes se multiplient, c'est qu'on ne retienne que cette image autoritaire. À un moment donné, dans notre pays, ça crée un certain nombre d'oppositions et de résistances. Comment on met de l'humanité dans la politique actuelle, du coup ? D'abord, tout n'est pas écrit en politique. Et le président de la République, il a la possibilité de choisir, à un moment donné, de corriger sa route. Tout n'est pas écrit, tout simplement parce qu'il y a un peuple français qui s'exprime, il y a des sensibilités. Je prends le cas des retraités. Ah voilà, prenons la exactement. Est-ce que vous pensez que sur la CSG, il a eu tort ? Est-ce qu'il a eu tort sur la CSG ? Mais une fois de plus, ce n'est pas une question d'avoir tort ou raison. On peut avoir tort. La question, c'est que les retraités ne sont ni des assistés, ni des privilégiés. Ils l'ont montré dans des banderoles, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne et qu'on le prenne en compte. Les retraités, aujourd'hui, à partir de 1 400 euros, ils ont le sentiment qu'ils sont montrés du doigt. C'est sans doute pas une bonne chose, ni pour eux, ni pour personne. Et l'idée de jouer une classe d'âge, les actifs, contre les retraités, c'est pas non plus politiquement une bonne chose. Donc je crois qu'il faut sortir de cela. Je comprends très bien ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron. Il a voulu privilégier l'emploi, privilégier les forces vives, et il s'est dit que très vite, la charge supplémentaire pour certains retraités serait corrigée avec la diminution de la taxe d'habitation. Il se passe, et ça c'était pas prévu, que le calendrier n'est pas aussi serré qu'il aurait pu le souhaiter. Les choses ne se passent pas tout à fait comme il aurait pu le souhaiter. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il est déconnecté, quelque part, notre président de la République, de certaines réalités ? Il n'est pas déconnecté. Comme Laurent Wauquiez a pu le dire, par exemple. L'exercice du pouvoir d'État est quelque chose de complexe. La tentation de l'État, c'est de faire ce qu'il connaît. C'est de faire les réformes qui sont dans les tiroirs. Et c'est la logique dans tous les ministères. Et donc, mais on quand est dans il la dit situation où les réformes qui n'ont pas pu être faites depuis 30 ans, on a tendance à les mettre sur la table. Eh bien, le président de la République, il est là, lui, à un moment donné, pour dire... Et c'est là où je pense que le président de la République doit garder peut-être une distance par rapport à l'action de ce gouvernement. À un moment donné, il doit dire, ben voilà, là, ça ne va pas comme il faut. Mais... Là, on va prendre un peu plus de temps. Là, on va faire un détour.
Ça, c'est la question de la mécanique de la réforme. Mais je pense qu'il y a une autre question, peut-être plus importante. C'est la dynamique politique de la réforme. Alors, attendez, on va rester un peu quand même le jeu des questions-réponses, vous en souvenez. Politique, on va donc, Alexis Brézé. Qu'est-ce qui... Alors, vous dites, en pointillé, il faut faire preuve d'humanité. Alors, notamment sur cette question de retraite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait dire, ben, on renonce à l'augmentation de la CSG? Alors, il y a plusieurs hypothèses, une fois de plus, et c'est pas à moi à faire des suggestions. Il y a une fameuse cagnotte fiscale, et je comprends très bien qu'on souhaite, de façon prioritaire, l'utiliser pour le désendettement. C'est quand on a 2300 milliards de dettes, 100% de notre produit intérieur brut, c'est normal que ce soit une priorité. Ça a été ma politique. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver des marges de manœuvre. Il y a une cagnotte fiscale, je rappelle aux auditeurs, c'est une cagnotte fiscale de 4 milliards à la disposition du gouvernement. Il y a des recettes supplémentaires, fiscales supplémentaires, grâce à la croissance. Et donc, on entend Dominique Villepin nous dire qu'on pourrait prendre une partie de cette cagnotte pour corriger certaines choses. Je dis ça à contre-cœur, parce que je crois vraiment à la logique du désendettement. Ça a été une des priorités. Vous l'aviez déjà dit à Jospin à l'époque, l'histoire de la cagnotte. Ça a été une des priorités de mon gouvernement que de privilégier le remboursement de la dette à un moment où peut-être les taux d'intérêt vont augmenter, sachant qu'on a 43 milliards de remboursement de dette et que un point de hausse de taux d'intérêt provoquerait plusieurs milliards. On fait quoi pour les retraités ? Donc, une fois de plus, moi, je ne suis pas ministre en charge de la cohésion sociale, je ne suis pas Premier ministre, Président de la République, et je ne me prends ni pour les uns ni pour les autres. Je n'ai pas à dire, moi, quelle est la méthode et quelle est... Non mais Dominique, il y a des députés en marche. Il y a des députés en marche qui disent que 20% de cette cagnotte doit revenir aux EHPAD et aux retraités. Est-ce que pour vous, c'est une des pistes possibles. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser ce sentiment qui s'exprime aujourd'hui chez les retraités d'une catégorie qui se sent victimisée, on ne peut pas le laisser sans réponse. Ça fait partie, et c'est pour ça que je pense que dans la conduite de la réforme, le président de la République ne doit pas toujours être en première ligne, en liaison avec son gouvernement, en liaison avec ceux qui, au sein de la majorité, soutiennent les réformes. Il est trop en première ligne, c'est le président de la République. Je ne comprends pas tout à l'heure, vous avez parlé d'une tentation autoritaire. Ça m'a un peu interpellé. Le président de la République, c'est pas un secret, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup d'idées, il porte aujourd'hui l'essentiel du travail qui est fait dans ce pays. Je pense que politiquement et institutionnellement, je pense que c'est toujours dangereux. On s'use à être en première ligne, et je pense que c'est une des faiblesses de notre système institutionnel. Juste avant, une des faiblesses de la Constitution. On va venir au dispositif. C'est que le président, il est en majesté à une époque où on a besoin de plus de représentation, de plus de démocratie représentative. Alors on va y venir. Juste avant, je voudrais vous poser sur la SNCF la même question que sur les retraités. Eh bien, je ne vais pas vous répondre. Eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait ? On vous pose la question. C'est trop facile. Vous dites qu'il faut être humain. On fait quoi vis-à-vis des cheminots si on veut être humain ? On renonce à la réforme. Vous m'invitez. Je suis retraité de la politique. Je n'ai pas l'intimité des dossiers et me prêter à ce jeu qui consiste à jouer au ministre de l'économie ou au Premier ministre, c'est absurde. Moi, je vous dis simplement, il y a un problème. Et je crois que ce problème, on ne peut pas le laisser non traité. Il y a un problème sur la méthode et il y a un problème sur le fond, sur la dynamique politique. Et là aussi, il y a un problème. C'est qu'on a un parti en marche, très majoritaire, qui domine complètement l'Assemblée nationale et qui est un parti jeune, à bien des égards inexpérimenté, même s'il y a des figures importantes, Christophe Castaner, Richard Ferrand. Mais un peu croupion. Ce n'est pas suffisant pour mener une politique aussi ambitieuse. Donc il lui faut des alliés ? Et ma conviction, il faut des alliés, il faut des soutiens, il faut des relais, il faut une dynamique partager. Malheureusement, notre système, le système majoritaire, ne crée pas cela comme en Allemagne où il y a des coalitions. Nous avons besoin aujourd'hui de pluralité, de débat. Il y a déjà des républicains qui ont rejoint le Mais ça ne fait pas aujourd'hui une logique de coalition, une logique d'union suffisante. Alors vous allez chercher où ces nouveaux alliés, Dominique de Villepin ? Ma conviction, c'est qu'avant les élections européennes de 2019, on voit qu'il y a un certain nombre de discussions qui sont engagées avec un certain nombre de grandes figures de notre vie politique, mon ami Alain Juppé, d'autres. Je crois que
pour le président de la République, son intérêt aujourd'hui, c'est d'élargir sa palette. C'est d'élargir le nombre de ses soutiens, la dynamique, le nombre de personnes qui peuvent avec lui. Vous pourriez faire partir de cette palette de couleurs, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis un retraité. Définitivement. Définitivement. Vous ne serez pas sur une liste européenne. Si je m'exprime aussi librement et sans aucune forme d'arrière-pensée et d'intérêt. Soyons clairs. Si Emmanuel Macron vous propose d'être cet arc-en-ciel aussi, et d'être sur la liste européenne, vous direz non. J'ai répondu plusieurs fois à cette question, même au Parlement européen, même à la Commission européenne. J'ai répondu plusieurs fois à cette question. La réponse est non. Donc, à partir de là, je crois qu'il a intérêt à démultiplier ses soutiens. C'est la logique qui existe dans tous les pays d'Europe. Ça veut dire quoi ? Nous sommes le seul système de démocratie. Alain Juppé doit être, par exemple, mener la campagne des Européennes en 2019, par exemple. Je dis qu'il faut enrichir la majorité de plusieurs pôles d'expression avec des sensibilités, avec des nuances qui permettent au président de la République et au Premier ministre d'avoir un clavier. Aujourd'hui, il y a un parti qui est un peu trop un parti godillot. Ce parti godillot, il dit toujours la même chose. Il suit le président, il suit le Premier ministre. C'est une chance pour un Premier ministre et pour un président de la République d'avoir des majorités plurielles. Mais il n'y a pas que ce parti-là. Nous sommes dans une époque où il faut prendre en compte la diversité des sensibilités et des sentiments. Ça permet au président d'arbitrer. Mais aujourd'hui, moi, je termine là-dessus, je crois à la référence de la Constitution de 58, d'un président arbitre. Le président ne doit pas être en première ligne sur tout. Il ne peut pas avoir raison sur tout. Sans quoi, c'est la tentation de trop d'autorité, et au bout du compte, on prend trop de coups et on s'use. Donc je crois qu'il a intérêt à s'enrichir de soutien, de relais, de gens d'expérience. Mais à qui voulez-vous qu'il s'enrichisse ? Il y a plein de gens d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, il y a déjà En Marche, il y a le Modem, il y a les Constructifs, il y a toute une partie des Républicains. Donc on pourrait dire qu'au contraire, c'est très large. À qui voulez-vous qu'il s'ouvre encore ? Encore d'autres Républicains ? Monsieur Brézé, soit on organise mieux cette majorité et elle monte en ligne à travers des courants différents, des groupes différents, des gens qui affirment davantage leur sensibilité. Et on écoute. Vous savez, on est dans un moment. Après la première année, on a engagé plein de réformes. On est dans un moment où il faut écouter. Si on fonce tête baissée, à un moment donné, on se prend le mur. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, le président joue sur une image complexe, autorité, modernité. Il doit élargir sa capacité à avancer en prenant en compte davantage ce qui se passe devant lui. C'est une situation très difficile sur le plan national et international. Il faut donc plus de diversité politique. Par exemple, sur une question très concrète qui concerne nos concitoyens, les 80 km/h. Alors, ça vous paraît peut-être anodin, mais il y a une montée de la colère dans le pays contre cette mesure. Le président de la République lui-même monte au front avec son Premier ministre. Est-ce qu'il a tort d'en faire un point dur ? Alors, avant les 80 km, il y a une réforme qui peut illustrer d'une certaine façon ce que je pense. Parce que ce n'est pas uniquement au sein de la majorité qu'il faut consulter. C'est, y compris, bien sûr, l'opposition. La réforme des institutions, voilà la réforme idéale où un consensus peut être trouvé. Et dans le fond, ça nous ferait peut-être du bien d'avoir quelques réformes qui passent par consensus. Consensus avec les syndicats quand il s'agit de laisser un certain nombre de sujets qui ne sont pas essentiels. Mais un consensus, dans le fond, pas forcément un consensus mou. Quand mais on fait pas consensus. Forcément mou. Prenons les réformes qui sont aujourd'hui sur la table. Réforme de l'assurance chômage, réforme de la formation professionnelle, la réforme des retraites qui va venir bientôt. Ça, c'est des réformes fondamentales. Mm-hmm. Et la réforme de la formation professionnelle, elle engage l'avenir. Mm-hmm. Il y a des réformes qui sont moins importantes. Lesquelles sont accessoires, par exemple, dans ce qui a été lancé ? Je pense qu'il y a des réformes qu'il faut réussir sans état d'âme. La réforme de la SNCF, on n'a pas besoin de faire une réforme qui permette au Premier ministre ou au Président de la République de mettre un nouveau trophée à leur ceinture. Avoir une réforme sans gagnant ni perdant, ce serait pas mal. La réforme des institutions, elle peut être réussie par consensus. Vous savez, la logique d'autorité, elle conduit à la logique de trophée. Où on brandit les réformes, regardez ce qu'on a fait. Je le redis, l'important mais aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur les institutions. L'important dans les réformes, c'est le changement des mentalités. La plupart de ces réformes, pour une part, sont des réformes de papier. On modifie la loi, on modifie la constitution. Très bien. Mais la vraie réforme, celle qui fait que la vie des gens change, elle est très loin de tout ça. Donc il ne faut pas s'accrocher de façon symbolique et trop politicienne à des mantras. Il faut accepter que l'important, c'est que nous travaillions les uns et les autres mieux ensemble. Aujourd'hui, les institutions, on comprend que ça bloque. Qu'est-ce qui est important dans la réforme ? Attendez la question de Dominique de Villepin. La question, c'est à quoi
le chef d'État doit-il renoncer pour obtenir l'accord du Sénat ? L'histoire des trois mandats consécutifs, vous vous dites bon, bah, qu'il laisse tomber ça et ça ira mieux ? Je suis convaincu qu'avec Gérard Larcher, que je connais bien, il a été dans mon gouvernement, on peut trouver un accord. Et si on doit abandonner un aspect ou un autre aspect, l'essentiel c'est quoi ? C'est de ramener le Parlement à une taille... Mais c'est pas secondaire pour Emmanuel Macron. La limitation dans le temps des trois mandats, c'est au contraire une mesure fondatrice d'une nouvelle... Mais je ne dis pas que c'est celle-là qu'il faut abandonner. Il n'y en a pas 100 000 non plus en même temps. Il faut peut-être sur le mode de scrutin trouver aussi, tailler et trouver la bonne formation, je crois beaucoup, et je crois que c'est nécessaire d'avoir une réforme du mode de scrutin et d'introduire un peu de proportionnel, il faut voir à quel niveau, mais je pense que sur tel et tel sujet, on peut trouver dans la négociation des points d'accord. Mais c'est sur des... Ce que je dis, ouais. Ne soyons pas absolutistes, ouais. Ne soyons pas puristes. Moi, je dis ça d'autant plus que moi, je l'ai été. J'ai succombé à cette tentation, et je crois qu'au bout du compte, l'important, c'est d'avancer ensemble. Alors, juste une question sur les institutions. Est-ce que on entend depuis le début de l'émission cette tentation bonapartiste que peut avoir Emmanuel Macron ? Vous dites vous-même que quand vous étiez au pouvoir, à un moment donné, c'est difficile de ne pas avoir cette empathie, cet accès d'autorité. Vous l'avez peut-être. Tout pousse à ça. Vous-même en avez été victime. Absolument. Est-ce qu'il y a, on nous dit au gouvernement, qu'il y a une possibilité, à l'Élysée, nous dit-on, d'un référendum sur les institutions ? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité politique que peut s'offrir le président de la République, ou que non, il doit renoncer pour trouver ce consensus ? Je ne dis ni l'un ni l'autre. Je dis, si on peut y arriver par la négociation, tant mieux. Si on peut essayer de faire émerger des consensus sur telle et telle réforme, y compris en abandonnant telle et telle partie qui pourra paraître à certains essentielle, mais qui, au bout du compte, n'est pas si déterminante que cela, eh bien, tant mieux. Je crois que vraiment... Parce que le référendum, c'est l'exemple type de l'autoritarisme, la non ? La réforme, c'est pas un trophée, une fois de plus, qu'on met sur sa chaîne. Mais le référendum, c'est pour passer en force. Oui, de façon justement, passée. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux essayer d'arriver par la négociation. Un référendum, et je le sais d'expérience, c'est toujours dangereux. Surtout à ce moment du quinquennat, on passe vers la deuxième année, on arrive vers le printemps, j'en sais quelque chose, c'est pas forcément la période la plus facile pour réformer. Et je dis ça aussi, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, c'est des mois où on a intérêt à choisir ses combats. Ce que vous dites sur le référendum, est-ce que c'est vrai sur les ordonnances ? Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, on a une transmission de pensée avec Alexis Brézé, c'est pour pareil. Ça que nous sommes partenaires. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a une tentation autoritaire quand vous brandissez ? Vous avez vous-même utilisé, oui, Dominique de Villepin, oui, les ordonnances à plusieurs reprises pendant vos deux années, surtout au début. Surtout, est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que vous le regrettez ? Pas du tout, comme vous dites. D'autant moins que ça s'est bien passé. Je l'ai fait au début, en arrivant, juste avant l'été. J'allais dire d'une certaine façon, pas vu, pas pris. C'est une technique de gouvernement que d'aller vite, plus vite que les problèmes. Une fois de plus, c'est comme ça qu'en sidérant un certain nombre de partenaires, on peut arriver mais à c'est développer. C'est une bonne manière de mais gouverner, là, maintenant, de sidérer. C'est pas durable. Et là, nous ne sommes plus dans la première année, nous sommes dans la deuxième année. Donc, j'allais dire, les ordonnances, c'est idéal quand on arrive au pouvoir. On s'installe, on fait passer les ordonnances, ce qu'on a à dire, on le dit. Après, il faut prendre son temps. Il faut faire preuve, une fois de mais plus. Mais sur les cheminots, c'est justifié ou pas, par exemple ? Ordonnances. Ou est-ce qu'il faut faire jouer le Parlement ? Est-ce qu'on n'est pas là, dans un mépris du Parlement avec les ordonnances, sur cette question de la SNCF, alors que la majorité des Français y sont favorables ? J'ajouterai juste un élément à la discussion. Une fois de plus, je ne veux pas rentrer dans la technique même de la réforme de la SNCF. C'est quelque chose de complexe et compliqué. Je pense que c'est une réforme qui concerne une entreprise. Il y a un chef de l'entreprise. J'entends qu'on réforme depuis le haut de l'État. Je regrette qu'on ne mette pas davantage à contribution la direction de cette entreprise, son président qui est là depuis longtemps, pour faire l'essentiel du travail. Après, une fois de plus, qu'on arbitre, c'est un mot très important, je trouve, pour notre pays et pour la fonction présidentielle. Plus on revient à ce rôle d'arbitre, on voit les problèmes, on voit la façon dont les risques et les dérives sont possibles, et le président tranche sereinement. Alors, en choisissant, une fois de plus, ces combats. On entend. Oui. Vous parlez de rassemblement, parlons de la droite. Vous disiez à l'instant que le président devait élargir sa majorité, nouvelle personnalité, à droite. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que, d'ailleurs c'est assumé, la droite de Laurent Wauquiez, les Républicains, jouent une opposition ferme et radicale. Comment vous regardez ça ? Vous dites c'est trop dur, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou c'est bien, l'opposition est là pour s'opposer ? Mais une fois de plus, la droite, il faut qu'elle se refasse. Et donc, elle choisit une opposition dure parce qu'elle estime que c'est la meilleure façon pour elle de s'identifier. Dans le jeu politique, c'est important. Il y a deux grands partis qui se sont effondrés. Il y a les partis traditionnels de droite et il y a le parti traditionnel de gauche. Et il est resté, il a émergé au centre La République en Marche. Wauquiez fait bien le job ? Mais Wauquiez, pour le moment, il fait ce qu'il peut. Et une fois de plus, il s'adapte à une situation. Mais rien n'empêche
le Premier ministre et le Président de la République de placer M. Wauquiez ou tous les représentants politiques devant leurs responsabilités. Et c'est ça qui manque. Je trouve que nous sommes dans une période... Mais ça veut dire quoi, passer dans ce dossier? Est-ce que ça veut dire leur offrir, leur dire de rejoindre même le gouvernement? Non, ça veut dire engager des concertations sur un certain nombre de grands sujets pour voir s'il y a, sur telle et telle réforme... J'écoutais M. Larcher ce matin, M. Larcher, il n'est pas dans un esprit, dans l'esprit de tout casser. Alors, on reviendra. Il y a un certain nombre d'éléments de négociation qui sont sur la table. Ben, je pense qu'on peut faire la même chose et avec la gauche et avec la droite, dans la mesure du possible. Que l'on prenne ses responsabilités après, c'est une chose. Qu'on veuille tout faire en même temps, prendre le risque de passer en force et prendre le risque à un moment donné de susciter des résistances, il faut faire attention. Marie-Pierre Haddad nous a rejoint de la rédaction numérique de RTL. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour à tous. Alors, première réaction des auditeurs et téléspectateurs à ce qu'ils ont entendu cette première partie de l'émission. Oui, bonjour Dominique de Villepin. Alors, j'ai sélectionné un commentaire de Francis qui dit « Monsieur de Villepin, êtes-vous content d'avoir privatisé les autoroutes ?» Écoutez, je suis content d'avoir contribué au désendettement de notre pays. Il y a des choix qui sont difficiles à faire. Cette privatisation, elle n'a pas été décidée par le Premier ministre lui-même tout seul. Elle a été faite en liaison avec le Parlement et les services de l'État. Le prix a été fixé par les services compétents du ministère des Finances après un rapport parlementaire. Donc tout ça s'est fait dans la plus grande transparence. Qu'à la fin, il y ait des récriminations, je le comprends très bien. Ce qu'il y a de positif, c'est que nous avons un système d'autoroute qu'on nous envie un peu partout en Europe et dans le monde. Donc nous avons un système qui marche bien. Mais la hausse des péages, c'est justifiable ? Ah, mais la hausse des péages, c'est quelque chose sur lequel nous ne sommes pas sans pouvoir agir en liaison avec les concessionnaires. C'est quelque chose qui régulièrement est susceptible d'être discuté avec eux. Donc que nous... Il faut renégocier avec les autoroutes. Nous en avons la possibilité. Donc, si on estime que les choses ne vont pas comme il faut, eh bien il faut se servir de cette capacité de renégocier. Les privatisations, il faut aller plus loin. Aéroport de Paris, Française des Jeux. Chaque situation est particulière, mais je crois que chaque fois que l'État n'est pas indispensable dans la conduite d'une entreprise, je pense que c'est le cas de Renault, c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises. ADP, est-ce que c'est le cas? Parce qu'on dit que c'est stratégique, l'aéroport de Paris, ADP, c'est avec des intérêts chinois qui pourraient rentrer. ADP, c'est particulier, nous avons vécu la polémique de Toulouse avec cet aéroport vendu aux Chinois, parce que ça participe d'une nécessité de service public. Donc c'est vrai que sur ADP, il y a une réflexion qui doit être menée de façon assez fine. Commençons par la Française des Jeux plutôt qu'ADP. D'autres questions d'auditeurs et téléspectateurs. Cette fois-ci, ça concerne la PMA. Il y a eu beaucoup de commentaires des internautes. La procréation médicalement assistée. Exactement. Par rapport à la une de l'Obs, près de 60% des Français dans leur sondage se déclarent favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes homosexuelles, tout comme les femmes seules, et 55% d'entre eux sont favorables pour la GPA, la gestation pour autrui. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture de la PMA ou très rapidement parce qu'on arrive à terme. J'y suis favorable pour la PMA. J'avoue que ma réflexion n'est pas encore totale sur la GPA. Mais vous dites pas non par principe à la GPA. Je suis ouvert à une réflexion parce que je vois bien que pour ces couples homosexuels, il y a une souffrance, il y a une épreuve qui est vécue de façon très douloureuse. Donc plus on peut aller dans cette compréhension sans pour autant briser le noyau familial, briser un équilibre au sein de la famille, mieux ça vaut. Et sans tomber dans la marchandisation du corps, bien sûr. On s'arrête pour une pause dans votre grand jury, Dominique de Villepin. On vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Suite du grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Christophe Jacubizine de F1 LCI et Alexis Brézé du Figaro.
Dominique de Villepin, avant d'aller vers la situation à l'étranger, deux petites questions. D'abord, politique, puisque nous en parlions avant la pause de la droite et de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle étanchéité aujourd'hui entre les Républicains ou le Front National ? Vous aviez dit à un moment donné, vous avez parlé de votre crainte d'une droite croupion qui court derrière le FN. Est-ce qu'il y a eu une main tendue cette semaine du Front National de Marine Le Pen à la droite avec un appel à voter à Mayotte pour le candidat LR ? Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez fait vraiment barrage ? Je crois que la volonté de Laurent Wauquiez est forte de faire barrage, que la tentation existe au niveau des électorats, ça c'est possible, et c'est le risque dans le positionnement de la droite, les Républicains, droite dure, c'est le risque d'être porté et poussé à la surenchère vis-à-vis... Mais vous n'avez pas de crainte particulière d'une fusion, je crois que du côté de Laurent Wauquiez, il l'a dit très clairement, il n'y aura jamais de compromission avec le Front National. Autre question d'actualité, Christophe Jacubizine, avant qu'on aille vers l'étranger. Oui, peut-être une question sur Bertrand Cantat qui a été obligé d'annuler ses concerts sous la pression un peu quand même de l'opinion, les concerts dans, pas ses concerts de sa tournée, mais les concerts notamment dans les festivals. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste, qu'il y a double peine, ou est-ce qu'effectivement il doit porter... ce crime longtemps. Dominique de Villepin. La peine a été effectuée et de ce point de vue-là, Bertrand Cantat a fait ce qui lui a été imposé. Comment doit-on réagir aujourd'hui ? Il est difficile d'oublier qu'il y a eu la mort d'une jeune femme. Et de ce fait, ça pose la question... Quand un tel événement a eu lieu, est-ce qu'on peut se produire comme si de rien n'était en public, dans un festival ? C'est plus facile dans des activités plus confidentielles. Un artiste peintre, il n'est pas soumis à ce type de difficultés. Quand on est un chanteur, je dis que personne ne peut rien lui imposer, mais que lui-même peut, par la réflexion, être amené à comprendre qu'il doit choisir un type de carrière sans doute plus confidentiel. Il doit s'exprimer autrement, en prenant en compte le fait que le fait de chanter est perçu comme une agression, comme une souffrance. Pas dans des festivals, mais plutôt peut-être dans sa propre tournée personnelle. Voilà, je pense que sans doute, entendu, il doit Dominique comprendre de Villepin, qu'il y a une façon de s'exprimer qui ne peut pas ignorer la réalité de ce qui a été fait. Alors, on va passer à la situation internationale. Je rappelle donc que vous n'êtes plus avocat, vous êtes à la tête de la société Villepin International, vous conseillez des entreprises étrangères. Est-ce que vous conseillez des États ou pas, Dominique de Villepin, avant que nous rentrions dans ces sujets ? Parce qu'on peut se poser la question de conflit d'intérêts éventuel. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts, d'aucune sorte. Donc, pas d'accord. D'État, il n'y a pas d'État, pas d'État que vous conseillez aujourd'hui ? Non, de gouvernement que vous conseillez directement aujourd'hui ? Non. Non. Alors, je rencontre beaucoup de représentants de beaucoup d'États. Mais vous n'êtes pas rémunéré pour des conseils à des États ? Non. Alexis Brézé. Et donc, l'actualité internationale aujourd'hui, c'est notamment la Russie, où Vladimir Poutine va accéder à un quatrième mandat. Au fond, qu'est-ce que vous en pensez de Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est une bonne chose pour la Russie ? Est-ce que c'est une bonne chose pour le monde ? Est-ce que c'est un apprenti dictateur ou un dictateur ? Est-ce que c'est l'homme qui a rendu sa fierté à la Russie ? Comment vous percevez l'homme et le rôle historique de Vladimir Poutine ? C'est sans doute aujourd'hui l'une des questions les plus importantes que nous avons à régler, nous, Français et Européens, vis-à-vis de la politique étrangère. Nous sommes dans une situation où la Russie est perçue comme très agressive. L'affaire de l'espion, l'agent double, de l'empoisonnement, ça vous. Pour vous, ce sont les Russes, parce que Theresa May est claire là-dessus. Est-ce qu'elle va aller trop vite en besogne ? Un faisceau d'indices semble montrer, c'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce que dit Theresa May, c'est ce que dit Angela Merkel. Il y a un faisceau d'indices qui semble indiquer que ça ne peut pas être, sauf explication, quelqu'un d'autre que la Russie. Donc, il faut prendre en compte cette situation, les manœuvres militaires à l'Est, la situation en Ukraine, en Crimée. Rien de tout cela ne peut être oublié, bien sûr. Et il y a des positions fortes de principes qui doivent être respectées. Mais nous sommes dans une situation internationale qui constitue un point de départ totalement nouveau et qui doit nous amener à penser différemment notre relation avec la Russie et notre politique étrangère. La situation nouvelle, c'est que nous sommes dans un monde de plus en plus conflictuel, de plus en plus dangereux, où il y a en gros deux blocs
qui sont en train de s'organiser et de s'affronter. D'un côté, un bloc autoritaire mené pour l'essentiel par la Chine, avec de plus en plus de pays, la Turquie, l'Iran, la Russie, et il y a un jeu mimétique de pays qui se disent, après tout, y compris en Europe de l'Est et en Europe centrale, de pays qui se disent il faut faire preuve de plus d'autorité dans la conduite des choses si on veut ne pas dériver. Mmh. Et de l'autre côté, les démocraties libérales qui souvent connaissent les preuves populistes et qui apparaissent comme un peu faibles et incapables de décider efficacement pour leur peuple ou sur la scène mondiale. Vous n'êtes pas en train de dire que le modèle idéal, c'est le modèle de... Non, mais autoritaire. Autoritaire. Dans l'intuition d'Emmanuel Macron de jouer sur les deux visages, il y a sans doute la prise en compte du fait que nous sommes dans un monde où il faut être capable de plus d'autorité. Dans ce contexte international, nous ne devons pas oublier, nous Français et Européens, que notre destin se joue avec la Russie et certainement pas contre. Donc, en rajouter dans l'idée « nous devons en découdre avec la Russie c'est le mal », c'est ignorer totalement le chemin fait par la Russie depuis la chute du mur de Berlin et depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Mais pour autant, est-ce que la Russie, sur la situation en Syrie, est-ce que vous estimez que Poutine a du sang sur les mains ou pas quand on voit qu'il soutient ardemment encore aujourd'hui le régime de Bachar al-Assad? Vous me permettrez de ne pas, aujourd'hui, privilégier une approche, un dossier et... Mais c'est facile, ça, parce que... Non, je vais y venir après, à la Syrie. Je ne cherche pas du tout à m'éloigner... Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question, quand même? Mais je veux d'abord, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire, le risque, si nous n'avançons pas dans une relation forte avec la Russie, qui est, à mon sens, aujourd'hui, possible... Cette relation, elle a été forte au début des années 2000, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Nous avons travaillé efficacement avec la Russie. Les choses ont dérivé, il y a une dérive autoritaire, il y a une dérive militariste qui existe en Russie. La question, c'est est-ce qu'on peut corriger cette situation? Je dis simplement, c'est un intérêt vital pour la France et pour l'Europe. Mais est-ce que vous êtes bienveillant avec Poutine? Non, mais attendez, je ne suis pas bienveillant, je vous dis pourquoi il faut défendre cette exigence. Parce que aujourd'hui, notre Europe, elle n'est pas indépendante. Et que, dans cette confrontation qui est en train de s'organiser entre ces deux blocs, il y a le risque que la France, que l'Europe, comme la Russie d'ailleurs, ne deviennent que les supplétifs, une variable d'ajustement de chacun des camps. Donc je dis simplement, construisons une Europe indépendante avec une défense forte qui soit dans notre main, ne soyons pas trop dépendants des États-Unis. Oui, mais... Et deuxièmement, faisons en sorte de nouer une relation spéciale avec la Russie, parce que les Russes veulent être européens. Mais ils nous y aident pas beaucoup, les Russes. Alors on fait quoi quand ils empoisonnent un espion d'agent double à Londres? Qu'est-ce qu'on fait? On dit rien ou on a raison de protester? Est-ce qu'Emmanuel Macron, par exemple, a raison de ne pas aller au stand russe au Salon du Livre? Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de fermer les yeux. Et on fait quoi? Il faut être ferme. Sur les Kurdes, Theresa May a choisi une réponse qui est une réponse mesurée vis-à-vis de la Russie. Il faut avoir cette réponse, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et il faut, une fois de plus, chercher à voir comment on peut sortir de ce blocage, ce face-à-face entre l'Union européenne et la Russie. Mais il vous a posé une question très précise, Alexis, sur le Salon du Livre. Je pense que Emmanuel Macron aurait dû rendre visite aux écrivains russes du Salon du Livre. De la même façon qu'il a eu raison de lancer le dialogue de Trianon entre la société civile russe et la société civile française, c'est une initiative prise avec Vladimir Poutine, on doit dialoguer avec les intellectuels russes et avec les écrivains russes. C'est quand même le rôle historique de la France que de mettre la culture au-dessus. Donc tout ça, le boycott de la Coupe du Monde de football en Russie serait pour vous aussi une erreur. Mais c'est Theresa May, elle laissait planer l'idée. Elle a dit que les officiels n'y seront pas, mais les joueurs y seront. Est-ce que Emmanuel Macron doit s'y rendre ou pas? C'est un choix qu'il doit faire. Mais boycotter la Coupe du Monde en Russie, ce serait également absurde. Est-ce que les officiels, les joueurs, personne n'y pense, mais les officiels français, est-ce qu'ils doivent être présents aux cérémonies d'ouverture de la Coupe du Monde? Je crois que nous devons être présents, voir à quel niveau cela doit être fait, mais une fois de plus, ce n'est pas céder sur l'essentiel, ce n'est pas céder sur la Crimée, ce n'est pas céder sur les attentats qui sont commis en Europe, comme dans le cas de ce qui s'est passé à Londres. Je crois qu'il faut être ferme sur chacun de ces points, mais ne pas perdre de vue l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est comment on reprend langue sur l'Ukraine. Et ne l'oublions pas, nous avons joué un rôle avec le format de Normandie, nous pouvons continuer à jouer un rôle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le franco-allemand avec les Russes, peut-être en intégrant la Pologne dans la formule triangle de Weimar qui nous permet d'avancer. Et sur la Syrie, il est urgent...
parce qu'on peut toujours essayer de jouer la morale contre l'efficacité. Oui. Je crois que c'est absurde. Il faut quand même se rappeler du nombre de morts qu'il y a en Syrie, qu'il y a eu au cours... Mais sur les Kurdes, justement. Alors, une question, parce qu'il faut qu'on avance sur les Kurdes. Sur les Kurdes, je crois que l'enclave d'Afrin est en train de tomber, l'enclave kurde en Syrie, où elle est tombée ce matin. Voilà, c'est avec le soutien des Russes est-ce qu'on n'a pas abandonné nos alliés kurdes qui nous ont aidés contre la guerre, contre Daesh, mais tout à fait, de Villepin, monsieur Jakubizine, tout à fait. Mais la réalité aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on change l'histoire en Syrie et comment on la change au Moyen-Orient plus largement. On a essayé de privilégier l'outil militaire, les interventions militaires, en pensant qu'une fois qu'on aurait réglé la question de Daesh, tout serait réglé. Manque de bol, on revient à la case départ. La transition politique n'a pas avancé d'un iota, le processus d'Astana, le processus de Genève, le processus de Sochi n'ont pas permis de régler les choses. Ma conviction, c'est qu'il faut partir de plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler la question syrienne uniquement en traitant le dossier syrien. Aujourd'hui, en Syrie, on assiste à un partage des dépouilles. D'un côté, les Turcs à Afrin... Sauf qu'il y a une situation d'urgence, Dominique de Villepin. Vous nous dites de manière très docte et un peu conceptuelle qu'il faut tout ça, resituer tout cela dans un contexte. On a une crise en Syrie qui dure depuis 7 ans, avec des victimes civiles. On a la Ghouta, une enclave, où il y a des gens qui sont en train de mourir et de faim. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on pontifie ou est-ce qu'on agit? C'est exactement ce que je veux essayer de vous dire. Les solutions que vous préconisez sont celles qui permettent justement de pontifier, de ne rien faire depuis 7 ans. C'est-à-dire que l'intervention militaire de bombardement la France et des États-Unis, pour vous, c'est exclu, par exemple. Une fois de plus, je ne pense pas que ça permette d'avancer. Aujourd'hui, la clé russe est essentielle, il y en a d'autres. Aujourd'hui, nous devons... C'est pour cela qu'on peut toujours vouloir faire la guerre à la Russie ou régler des comptes avec la Russie, mais vous ne réglerez pas la question syrienne sur la Russie. Là, je vous parle de la Syrie, de Bachar al-Assad. Vous ne réglerez pas la question syrienne. S'il y a des gaz utilisés, il faut intervenir militairement. Est-ce qu'il faut le faire si jamais des gaz... La preuve est apportée que des gaz sont utilisés. Le président s'y est engagé. Oui, il faut le faire. Que l'on marque clairement le jour où on a la preuve et l'ensemble des rapports sont convergents, que l'on marque clairement... En trouvant les cibles adéquates, j'y suis tout à fait favorable. Pour vous, aujourd'hui, c'est pas établi. On n'a pas de preuves. Vous avez ces rapports sur la table. Je dis une fois de plus. Il y en a eu beaucoup d'ONG disant qu'il y a eu des gaz qui ont été utilisés, Dominique de Villepin. Qui s'est engagé à faire respecter cette ligne rouge. Le jour où le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense ont ces éléments-là, qu'ils décident à ce moment-là une opération militaire ciblée. Très bien, ça ne réglera pas la question, une fois de plus. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de la Russie, et c'est pour cela que je ne veux pas être irénique, et malheureusement, je vous renvoie à vos questions, c'est vous qui l'êtes quand vous dites « il faut marquer le coup vis-à-vis de la Russie ». Je dis rien, je vous pose des questions. Oui, mais en l'occurrence, ce sont des questions qui ne permettent pas de faire avancer le débat. Dans le cadre de la Russie, nous avons besoin des Russes, nous avons besoin des Iraniens, et de la même façon, il faut dire clairement aux Américains que nous ne les suivrons pas dans la dénonciation de l'accord de juillet 2015. On a besoin de l'Iran pour régler le problème du Moyen-Orient. On a besoin de l'Arabie Saoudite, on a besoin d'Israël. Donc, à un moment donné, plutôt que d'essayer de régler les problèmes les uns après les autres, on a besoin de mettre tous ces problèmes sur la table, dans le cadre, à mon sens, d'une grande conférence sur l'ensemble des questions du Moyen-Orient. Et nous arriverons à progresser. Pourquoi ? Vous aviez dit qu'Emmanuel Macron se dispersait, qu'il fallait avoir des objectifs. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il se recentre sur des questions essentielles ? Vous lui avez fait cette suggestion, vous lui avez dit, attention, il y a une dispersion dans la politique étrangère de la France. J'ai parlé de surchauffe diplomatique. Oui. Je crois qu'on est à un moment, pour la diplomatie française, qui est un moment important, puisque la France a marqué des points sur la scène diplomatique mondiale. Le président a affirmé une image, une présence, fait des discours forts, montré un certain nombre de voix, en particulier en ce qui concerne l'Europe. Mais maintenant, nous avons besoin de marquer des points. Il faut des succès. Vous savez, la diplomatie, elle se nourrit, la crédibilité et la confiance se nourrissent de succès. Donc, il faut prendre un certain nombre de dossiers à bras-le-corps. Il n'en a pas eu pour l'instant, Emmanuel Macron. La question de l'Iran, il faut la régler. Et quitte à dire assez vertement aux Américains ce qu'il en est et à travailler. Voilà un sujet sur lequel on peut travailler avec la Russie. Il le fait vis-à-vis de Trump. Voilà un point d'accord qu'on peut avoir vis-à-vis de la Russie et avec la Chine, ainsi qu'avec l'Allemagne. Donc, il y a des sujets où on peut avancer. En attendant cette grande conférence, les Kurdes d'Afrin qui se font taper dessus par les Turcs alors qu'ils nous ont bien aidés, on se dit tant pis, c'est comme c'est la vie. Eh bien, une fois de plus, ça montre que la logique de l'intervention militaire, en laissant de côté la logique politique, puisqu'on a laissé Vladimir Poutine tout seul mener
Mais il n'y a pas moyen de dire aux Turcs d'arrêter. J'ai cessé dans les dernières années, dans les derniers mois, de dire faisons de la politique. Et c'est pour ça que je vous redis, nous avons besoin de travailler. Vous dites, faisons de la politique, dominez pas. Et quand ils ont fait un référendum d'autodétermination pour qu'il y ait un État turc, kurde, vous avez dit ça risque d'être un élément de déstabilisation de la région. Donc au moment, quand il y a une situation politique et en même temps vous ne prenez pas l'option militaire, parce que la diplomatie, de fait, il y a une impuissance et on laisse faire. C'est des rapports de force, c'est pas se faire plaisir. Et utiliser l'arme militaire en pensant qu'on va modifier la règle du jeu et qu'on va marquer des points, c'est absurde. On ne peut pas le faire. Il faut qu'on avance. La solution. Christophe Jacubizi. Est-ce que l'Amérique de Trump vous fait plus peur que la Russie de Poutine? Non, je crois que ce serait absurde de le dire. Vous êtes très critique sur la gestion américaine par Trump. Mais je suis surtout critique devant l'incapacité que nous avons, nous Français et Européens, à nous prendre en main. Et je serais rassuré, et vis-à-vis de Donald Trump, et vis-à-vis de Vladimir Poutine, si nous étions capables d'affirmer une Europe plus indépendante. On a commencé à le faire en matière de défense, avec des coopérations structurées dans le secteur de la défense, avec le fonds de défense, mais nous n'allons pas assez loin. Et de ce point de vue-là, s'il y a une priorité, en liaison avec la réforme de la gouvernance de la zone euro avec Angela Merkel, c'est bien d'avancer dans ce domaine. Mais c'est une question... Mais on peut faire avec tous les populismes qui sont parfois au pouvoir en Europe, qui ont progressé, je sais que le couple franco-allemand est moteur, mais est-ce que ça suffit maintenant? Il y a l'Italie, il y a les autres pays de l'Est à convaincre. Comment on change l'Europe, on peut plus. C'est bien là où les choses sont compliquées. C'est bloqué. Mais alors revenons au point de départ. Enfin, on ne refait pas tout quand même. Non, mais en deux minutes, parce que ça éclaire les choses. Le pari d'Emmanuel Macron, je réforme la France, rapidement, à marche forcée, et à la fin de l'année dernière, je transforme l'Europe. Bon, manifestement, il y a eu un grain de sable. Il y a eu un grain de sable allemand, il y en a maintenant un autre italien. Et en plus, Brexit, Allemagne, Italie. Oui. Europe centrale, Europe du Nord, qui sous l'égide de la Hollande, dit la gouvernance de la zone euro, dans le fond, c'est très bien comme c'est, et on va continuer une politique orthodoxe. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va avoir du mal à marquer des points en Europe. Et c'est pour cela que, si on regarde la géopolitique mondiale, les deux alliances qui sont en train de courir à l'affrontement, et le fait que l'Europe est incapable de prendre son destin en main, ce qui menace notre sécurité. Ça, je trouve que pour le président de la République, c'est un dossier majeur. On ne peut pas rester dans la situation actuelle, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas un pays indépendant. Et donc, les Kurdes, les Turcs à Afrine, nous allons continuer à regarder à la télévision la scène mondiale. C'est sur le plan européen que ça se passe. Sur l'Europe, vous dites, c'est bloqué. Tout le monde est d'accord. Emmanuel Macron a mis un certain nombre de propositions sur la table. Est-ce que ce sont les bonnes? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer? Eh bien, il faut d'abord choisir des priorités. Une fois de plus, c'est toujours pareil. Il faut prendre des priorités, choisir ses combats, voir ce qui peut... Alors, c'est quoi la bonne priorité? Eh bien, je pense qu'il y a une priorité sur la défense. Je pense qu'il y a une priorité dans la gouvernance de la zone euro, sans se battre sur la théologie. Est-ce qu'il faut le budget, le ministre? Il semble qu'il y ait un accord qui se dessine sur le Fonds monétaire européen. Allons-y, avançons. On a besoin, une fois de plus, de succès. Est-ce que c'est le leader de l'Europe aujourd'hui, Emmanuel Macron, parce qu'il y a une faiblesse? On le voit avéré d'Angela Merkel. Est-ce que c'est lui le vrai patron de l'Europe? D'abord, je tempérerai la faiblesse d'Angela Merkel. Ouais. Elle est à la tête d'une coalition, c'est le fonctionnement du système allemand. Il a une expérience. Il a les coudées franches et il peut aujourd'hui prendre des initiatives. Il faut le faire une fois de plus avec chacun, sans mettre personne dans le coin de la pièce. Et une deuxième question, vous parliez quand même de bloc contre bloc. Est-ce que vous avez l'impression, vous nous dites, on danse sur un volcan. Est-ce qu'un conflit mondial est possible aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, mais vous savez, de la même façon que vous êtes réveillé un matin en apprenant que Donald Trump allait rencontrer M. Kim Jong-un, ça c'était une bonne surprise, a priori. C'est un succès de Trump? Attendez, sur la question... C'est surtout un succès de Kim Jong-un pour le moment. Sur la question d'un conflit potentiel. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, contrairement à celui de la guerre froide et contrairement au monde, à certaines autres périodes de notre histoire, nous sommes où il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas de canaux de dialogue développés. Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la scène mondiale, on réagit ou on surréagit. Et c'est là où la diplomatie, c'est un art souterrain, compliqué, mais permanent. Donc, il faut beaucoup plus... Enfin, vous vous rendez compte que c'est alarmiste quand même pour les Français qui nous écoutent. Nous avons au moins quatre champs de bataille aujourd'hui, quatre champs de bataille. Nous avons l'Europe avec le front de l'Est, nous avons l'Asie du Sud, la zone de mer de Chine du Sud et la Corée du Nord, nous avons le Moyen-Orient qui est un volcan et même bien plus, et nous avons le Sahel et toute l'Afrique du Nord.
Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau pour des questions d'auditeurs et téléspectateurs. Oui, cette semaine, Bruno Le Maire était invité chez Elisabeth Martichoux et il a été votre directeur de campagne à Matignon. Non, de cabinet. Directeur de cabinet à Matignon de 2006 à 2007. Et sur Facebook, Didier rappelle que quand il était candidat à la primaire Les Républicains, il était contre une hausse de la CSG. Et maintenant qu'il est ministre de l'économie, il défend cette hausse. Comment est-ce qu'on peut justifier ça auprès de l'opinion publique, d'après vous ? On peut, à un moment donné, choisir une politique. Et quand on fait partie d'un gouvernement, là, une fois de plus, on peut pas être d'accord sur tout. Bruno Le Maire partage la philosophie du président de la République et du Premier ministre, et il est fidèle à la politique choisie par le président et le Premier ministre. C'est la vie politique, vous savez. C'est comme citoyen, vous votez pour un candidat sans pour autant être d'accord avec tout ce qu'il dit. Et c'est pareil pour un ministre. Et vous comprenez que ça choque les Français ? Parce qu'eux, ils ne comprennent pas que c'est la vie politique. Mais on peut pas se couper en plusieurs morceaux. Un ministre de l'économie, il peut ne pas être d'accord avec tel et tel aspect de la politique qui est menée, mais il est ministre, il assume et il avance. Une autre question rapidement sur les GAFA. Oui, toujours cette fois-ci, Bruno Le Maire, il a annoncé qu'il allait assigner Google et Apple en justice pour pratiques commerciales abusives. Et sur RTL.fr, Jean dit que ça lui fait penser un peu à Don Quichotte, un petit ministre qui s'attaque à Google, un géant américain du numérique. Et il dit que c'est perdu d'avance, il faut s'occuper des vrais problèmes du pays. Est-ce que les géants du net, Apple, Google et Amazon, ils sont au-dessus des lois ? Alors c'est très intéressant cette question parce qu'elle me permet de dire que c'est très bien de faire les réformes du monde d'hier. Et beaucoup des réformes aujourd'hui dont nous parlons, ce sont celles dont on parle depuis 30 ans. Mais il ne faut pas oublier les réformes du monde de demain. La transition écologique, la transition numérique, et c'est la question des GAFA, la transition éducative, société de la connaissance, la transition vers un monde du bien-être, avec toutes les questions de santé, de dépendance. Ça, c'est les problèmes que nous allons devoir traiter demain. L'ubérisation de l'économie. Il faut, oui, trouver un système qui permette de taxer les GAFA, d'introduire de la responsabilité, d'introduire aussi de l'identité à ces groupes qui surnagent au-dessus de la planète. Donc il faut les taxer. Ce que ne supportent pas les Français, c'est le sentiment qu'il y a une oligarchie mondialisée qui, quoi qu'il arrive, vit très bien. Et eux, ils sont les deux pieds dans la glaise et ils supportent les difficultés du quotidien. Donc ce ne sont pas des combats perdus d'avance, c'est des combats qu'il faut mener nécessairement et qu'il faut gagner. Une toute dernière question avant de nous quitter, Christophe Jacubizine. Une question importante d'actualité sur un de nos départements d'outre-mer, Mayotte. Est-ce que la situation migratoire y est complètement incontrôlable. Quelle est la solution ? Rétablir le droit du sol et... Vous me parlez de Mayotte ou de la France ? De Mayotte. De la métropole. Vous dites que la situation migratoire est incontrôlable aussi en métropole ? Elle est très difficile, on voit bien. On veut renvoyer beaucoup de gens chez eux, mais qu'il s'agisse des déboutés du droit d'asile, de ceux qui sont en transit. Ça veut dire qu'il faut remettre en question le droit du sol. Est-ce qu'il faut remettre en question le droit du sol ? Très clairement, la droite est en train d'y réfléchir. En tous les cas, même Emmanuel Macron sur la Mayotte. Je n'y suis pas favorable. Je crois que nous avons une tradition très tradition française, donc je n'y suis pas favorable. Mais bien évidemment, dans le cas de Mayotte, il y a un problème majeur qui se pose. Alors, le gouvernement réfléchit à une solution qui concernerait l'extraterritorialité. C'est un peu bizarre, quand même. Ça paraît curieux, mais il faut continuer de travailler pour trouver la bonne solution. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle. C'est quoi ? C'est des reconduites massives de sans-papiers ? Mais vous savez, les reconduites, c'est compliqué, parce que les gens reviennent, et c'est un problème auquel nous serons confrontés. Vous aviez dit en la matière qu'il fallait plus d'humanité aussi, parce que vous trouvez que le gouvernement était un peu dur, oui, vous le confirmez ? Et ça implique donc sans doute de travailler davantage avec les Comores, de la même façon qu'on travaille avec les pays africains d'origine, avec la Libye, avec la Turquie, avec les pays d'Afrique du Nord. Il faut sans doute travailler davantage avec... La solution est sans doute en Comores, peut-être plus que sur nos côtes. Merci beaucoup, Dominique de Villepin. C'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Très belle semaine à tous. À dimanche prochain.